qu'il y avait de l'humanisme dans le gouvernement fasciste sioniste, pour faire croire qu'il y avait de l'humanisme dans les États, chez les États, chez les gouvernants qui le soutiennent, comme ici en France, ou comme les États-Unis en particulier, et comme l'Union européenne dans son ensemble. C'est cela qui est une véritable honte. C'est cela qui donne toute sa force au slogan que nous lançons à chaque manifestation. Les enfants de Palestine, les enfants de Gaza, c'est toute l'humanité qu'on assassine. Parce qu'effectivement, c'est le tournant auquel on assiste. Et on peut joindre à ce slogan, le temps des colonies, c'est fini. Malheureusement, il n'est pas fini, puisqu'on voit Israël se comporter comme les pires des États colons du 19e siècle au début du 20e siècle, et y compris jusqu'à la moitié avec la France en Algérie. Donc c'est cela aujourd'hui qu'il nous s'agit de combattre, et c'est pour cela que tous les gouvernements qui soutiennent la politique colonisatrice sioniste d'Israël sont des gouvernements faillis, et que dans nos propres pays, nous devons les combattre. Ils n'ont pas leur place, ils n'ont pas l'honneur de pouvoir diriger les populations qui, elles, manifestent par millions et par millions sur tous les continents pour que cesse cette guerre inique, pour que la paix revienne et pour que le peuple palestinien puisse vivre en Palestine, sa terre, dans ses droits les plus absolus. Vive la Palestine libre et indépendante! Chers amis, chers camarades,